Je tente depuis ce matin de retrouver l'auteur de ce malheureux incident, et personne ne me donne le moindre indice. Ce n'est pas faute d'avoir des arguments convaincants. Je me doute que vous avez compris que j'assure officiellement l'intérim présidentiel en attendant le rétablissement de Z. Je vous ai donc convoqué afin que vous me retrouviez l'auteur de ce tir. Cherchez partout et ne négligez aucune piste. Je veux des résultats. Et n'hésitez pas à vous salir les mains. Zed, j'ai vu la retransmission de la conférence de presse. Vous avez fait l'unanimité. Tout mon entourage ne parle plus que d'adopter le système, alors que le magasin n'ouvre que dans 2 semaines. Zed ? Emmerich. Avec un directeur aussi charismatique que vous, nous risquons de faire des miracles. N'oubliez pas de parler aux clients en insistant bien sur le fait que ce concept n'a que du positif. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine afin de mettre en place une stratégie d'ouverture. Vous n'êtes pas Zed ? Zed a décidé de prendre quelques jours de vacances après cette brillante intervention. Il sait se faire désirer et attiser son côté inaccessible. Continuez vos efforts, surtout ne lâchez rien. Toi, tu me désespères, Ralph, avec ton manque d'enthousiasme. Cette manie de vouloir toujours tout savoir, tout comprendre, tout analyser. J'espère que tu passes pas toutes tes nuits à te demander comment l'humanité est passée du tétard au singe parce que tu vas disjoncter. Je vois pas ce que tu veux dire. J'essaye juste d'avoir tous les éléments pour comprendre la situation. Einstein a passé toute sa vie à chercher les éléments pour voyager dans le temps. Et il est arrivé à quoi? À rien du tout. Il est mort comme tous les autres. C'est des conseils que je te donne. C'est pas parce qu'on a la capacité d'interagir avec les éléments qu'on est immortel. Tu m'écoutes pas en fait, c'est ça. J'essaie juste de te dire qu'on a des tempéraments différents. C'est pour ça qu'on arrive à être si efficace. En tout cas, mission accomplie. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Tu n'as jamais eu l'impression d'être comme dans un élevage. Entouré de moutons qui vont dans les mêmes boutiques pour acheter les mêmes choses et rendre l'uniformisation encore plus présente. Et ça ne s'arrête jamais. Un cycle infernal dans lequel on s'enferme parce qu'on a peur. La peur. L'instrument suprême du pouvoir.
Je vais faire quelque chose que je fais rarement, mais je tiens à te féliciter. Tu as été très efficace. Maintenant, je veux que tu me racontes tout dans les moindres détails. Quelle sensation tu as ressenti quand ta balle a percuté son torse? Ça m'a fait du bien. J'ai senti du plaisir. Comme si... Greg, c'est pas moi. J'ai essayé de trouver une ouverture, mais quelqu'un a tiré avant. Que ce soit toi ou un autre n'enlève rien à ma satisfaction.